Bon les filles, sinon comme promis, je vous ai dit que j'allais vous faire une petite vidéo présentation parce que j'ai plein de nouvelles qui me suivent sur mon Snap. Alors déjà, coucou les filles, j'espère que vous allez bien, que vous aimez mes stories, que vous allez vous y plaire, etc. Alors on va commencer par le commencement. Déjà, je m'appelle Yasmine les filles. Voilà, je suis tunisienne des deux parents, 100%. J'ai deux fils, donc Imran qui a 4 ans et Kaysan qui a 2 ans. J'habite à Dubaï, ça fait 2 ans que j'habite à Dubaï. J'aime trop Dubaï, j'aime trop, trop, trop. J'aime trop vivre ici, c'est vraiment ma safe place comme je vis tout le temps. Sinon, à la base, je suis du sud de la France. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai trois sœurs, donc j'ai Sourour la plus grande, Camélia qui est après moi, qui a 19 ans, et j'ai Nounoussa, la star de la famille la plus belle, qui a 3 ans, je crois. Moi, je crois que Nounoussa, elle a 3 ans. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, les filles? Pour mes stories, alors moi, mes stories, c'est quoi? Beaucoup de mode, beaucoup d'achats, beaucoup de skincare, de conseils, de. Vraiment, mes stories. C'est que de la good vibe. Voilà, les six mois, il n'y a pas de drama. Sauf quand ça me tombe dessus et que j'ai pas le choix. Mais sinon, il n'y a pas de drama. C'est vraiment des stories. J'essaie de vous donner de la good vibe, de vous motiver. On se motive ensemble. D'ailleurs, parce que c'est ce qu'on fait depuis un petit moment maintenant avec les filles. On se motive à faire du sport. On se motive à essayer de mieux manger, avoir une petite vie saine, on va dire. Et voilà, moi c'est vraiment, moi je décrirais comme ça mes stories. Stories amusantes, motivantes, vraiment safe place, plein de conseils. On s'entraide dans ton avec les filles, on se donne des conseils, des fois des recettes, parce que j'aime bien cuisiner aussi. Et voilà, donc voilà comment je décrirais un peu le personnage, on va dire. Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire de. Oh my god, les filles! Unboxing de ce que j'ai acheté à Paris chez Chanel. Je suis trop contente. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors, c'est parti. On ouvre ensemble. Moi, je suis trop contente, les filles. Normalement, ça fait. Non. Pas dire l'unanimité, mais normalement, c'est un truc que. Je parle pas, je vous montre. Petit unboxing ASMR. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça sent le cuir, ça sent le luxe. Oh my god, les filles. Depuis le temps que je les veux, petite mocassin Chanel, juste amazing, les filles. Vraiment, vraiment, vraiment. Elles sont trop, trop belles. Quand je suis allée à Paris, je me suis dit, c'est impossible que je vais les trouver. Et au final, les filles, elles ont ma taille. J'ai pris du 38. Elles sont trop canon. Genre, vraiment. Magnifique, je vais vous faire plein de outfits avec les filles, vous allez trop kiffer. Mais franchement, je suis trop contente parce qu'elles sont trop belles. Oh, je les aime trop. Je les aime. Faut que je les salisse. Trop canon. Je suis trop contente. Bon les filles, du coup, j'ai déposé Imran à l'école et là, je suis avec Kaïs. Cette nuit, il a fait que se réveiller, donc et même à l'école, je crois qu'il y a eu un peu des malades. Du coup, j'ai reçu un message qui disait qu'à partir du moment où la fièvre a s'arrêté, le petit pourrait venir à l'école que 2 jours après, genre. Donc vraiment, il est vraiment plus malade et tout. Du coup, je le garde là. De toute façon, demain, ils n'ont pas l'école, on est mercredi. Du coup, voilà, je suis avec mon fils, là, il dort. Il est fatigué, mon fils. Du coup, voilà. La nanny elle est pas là aujourd'hui, elle avait des trucs. Du coup, je vous disais, aujourd'hui la nanny elle est pas là, donc je reste à la maison avec Aysan en attendant l'heure pour aller chercher Imran. Bon là je vais rien faire,
Je vais rien faire aujourd'hui. Je reste avec mon fils. Mon amoureux. Regardez comme il me tient. Je t'aime. Ces pieds là. Je vais les bouffer. C'est quoi ces pains au lait là? Ils appellent ça des pains au lait parce qu'ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Cookie, mon amour. Bon, mes stars, aujourd'hui, comme dit, ça va être une journée maison. Je vais rester à la maison toute la journée. Du coup, je vais me faire un bain d'huile. Super. Je vais mettre là. Je me rachète des trucs là de. Vous savez, pour coller le téléphone là, je me rachète. Bref, à chaque fois, on me demande des choses que juste pour mes cheveux. Alors, les cheveux brillants, c'est vrai que, franchement, machin, j'ai les cheveux très, très, très brillants. Alors déjà pour ceux qui savent pas, qui me suivaient pas avant, j'ai coupé mes cheveux. C'est quand que je les ai coupés? Bref, avant de rentrer, je crois, quelques temps avant, j'ai coupé mes cheveux. J'ai beaucoup coupé les cils, j'ai grave coupé. Du coup là, ils sont grave poussés. Et je suis contente parce qu'ils sont vraiment en trop trop bonne santé. Et franchement les cils, ce que je fais, il n'y a rien d'exceptionnel. Déjà je me fais des bains d'huile. J'essaie de me faire un bain d'huile au moins une fois par semaine. Bon, la semaine dernière, je ne l'ai pas fait, mais voilà, j'essaie de faire une fois par semaine. Ensuite, j'utilise des bons shampoings. J'utilise des shampoings IMPR. Et une à deux fois par mois, je me fais un Botox. Un soin Botox de chez Naila Store. Et après, bien sûr, les filles, compléments alimentaires, etc., etc. Donc, pour les bains d'huile, j'utilise la marque Biologie Smooth. C'est la meilleure. C'est la... Vraiment, c'est la best of the best, les filles. C'est la seule marque, dites-vous, les filles, qui est commercialisée d'huile, hein, qui est commercialisée en pharmacie. Et c'est l'huile numéro 1 en France. Donc, moi, j'utilise vraiment que les meilleurs produits pour mes cheveux. Parce que pour moi, les cheveux, c'est très important. C'est franchement avoir des cheveux en bonne santé. Brillant et tout, je trouve que c'est trop 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 important. Du coup vraiment les filles, j'en prends trop soin. Là faudrait que je les coupe. Je vous disais les filles, je prends grave soin de mes cheveux parce que je trouve que c'est trop 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 important d'avoir des cheveux en bonne santé, brillants et tout. Hop. Je fais des lissages aussi les filles. Mais le lissage, en général, je le fais une fois par an. Là, je l'ai fait avant l'été. Donc là, il est un peu parti. Au niveau des racines, il est un peu parti. Mais moi, le lissage, c'est une fois par an, pas plus. Parce que ça suffit. Ou deux fois. C'est vrai que des fois, je le fais deux fois par an. Bref. Mais en général, c'est une fois par an. Et en fait, là, ce que je fais, les filles, c'est que je mets l'accélérateur. Vous savez qu'il y en a deux. Il y a l'accélérateur oil que je mets sur les racines. Et après, je fais pénétrer avec ça.
Oui. Hop. Et après, je mets ça sur les pointes et les longueurs. C'est la Cura Oil pour nourrir les cheveux, etc. Pénétrer l'huile. Je vais faire ça vraiment, les filles, partout sur mes cheveux. Après, je vais brosser, comme ça l'huile elle se propage un peu partout dans mon crâne. Ça sur les longueurs et les pointes. Donc c'est deux. Donc voilà les filles, pour toutes celles qui me demandent à chaque fois ma routine cheveux, ben c'est ça les filles. C'est tout ce que je vous ai dit. Bain d'huile, bon shampoing, botox une à deux fois par mois, lissage une à deux fois par an et légumise caraquère. Et voilà, et le résultat, mes cheveux ils ont grave poussé. Pour celles qui savent, hein, j'avais coupé. Franchement, j'avais coupé court quand même. Hein. Là, je trouve qu'ils ont bien poussé. Hein. Je suis grave choquée. Ah ouais, choquée en fait. Comment ils ont poussé mes cheveux. Je crois qu'ils m'arrivaient là. Je les avais coupés là, je crois, les filles. Je vais mettre une photo. Pour les huiles, je sais pas si mon col est toujours actif. Normalement, c'est Yaskin. Je vais vous l'écrire là. Je vais mettre le snap de la marque, mais vraiment les filles, je vous ai dit, c'est la seule huile qui est vendue en pharmacie en France et c'est l'huile numéro 1 en France aussi. C'est écrit par une pharmacienne, les filles. C'est écrit par une pharmacienne. Bref, voilà. Là, je vais aller me laver le corps. Je vais mettre un pyjama et voilà. Je vais aller faire manger parce que je n'ai toujours pas mangé. Bon les filles, je me suis douchée. J'ai lavé le corps. J'ai laissé poser mon bain d'huile. Là, j'ai mis un petit survêt. Et là, je vais manger parce que j'ai toujours pas mangé. Je sais pas ce que je vais faire les filles. Je sais même pas c'est quoi à coup. Mon droit à coup en fait. Parce qu'hier on m'a dit, là j'allais me faire des haricots. Mais il y en a, ils m'ont dit ouais t'as le droit, il y en a, ils m'ont dit t'as pas le droit. Je comprends plus rien les filles. Normalement, le blanc de poulet, on a le droit, normalement. Non, parce que... C'est quoi ce régime, en fait? Trop bon. J'ai pas bu d'eau de la journée. Mais ça, c'est pas parce que c'est... Vous savez, les filles, je peux rester, je crois... Toute la journée sans boire d'eau, tellement que genre, en fait j'y pense pas. Alors que c'est la base pour perdre du poids, c'est vraiment pour la cellulite, pour tout, pour la peau. Bref, là je vais me faire la peau. Ça va mon cœur? Maman, c'est dur! Maman! Allô, maman! Ça va mon cœur? Maman, c'est dur! Maman! Allô, maman! Qu'est-ce qu'il faut pas faire les filles pour maigrir, pour avoir un body? Je comprends pas en fait. C'est fade, ça n'a pas de goût.
voilà. C'est là. Après, quand tu vas remanger normal, tu risques de re-grossir. Non, vraiment. Vraiment, les siennes. Quelle tristesse. Quelle tristesse, quelle souffrance. T'as dit quoi, mon amour de ma vie? On va chercher Imran. On va le chercher un peu plus tôt. Comme ça, on va au parc. Mmh. Ah, mon cœur. Il est où, Khan, là? Il est où? Quoi? Il est où, Khan? Mets-moi la main. Bon, mes stars, là, mon risotto, il est en train de cuire. Je l'ai fait au Thermomix, comme ça, j'ai pas besoin de surveiller, voilà.
Là, je voulais vous montrer ce que j'avais reçu. Franchement, les filles, c'est de la bombe. Je pense que je vais rentrer en France cet hiver, quoi. Et du coup, je me suis commandé ça. Les filles, c'est le feu. Vraiment, c'est de la bombe atomique. En fait, c'est des leggings. Et à l'intérieur, les filles, vous voyez, c'est. Ça tient chaud, genre, c'est polaire. Et surtout, ce qui est trop bien, c'est que moi, les filles, je déchire tout le temps mes collants. Genre, j'ai un vrai problème. À chaque fois, ils s'effilent. Du coup, regardez, ils sont hyper, hyper résistants. Franchement, ça c'est le feu. Vraiment, les filles, je pense à vous. Du coup, je partage le bon plan pour celles qui sont dans le froid, qui veulent mettre des robes, des shorts et tout. Eh bien, les filles, trop, trop bien. Genre, vraiment, trop, trop bien. En plus, c'est bien gainant au niveau du ventre. Et ça tient chaud, quoi. Ah, ça, c'est vraiment le feu. J'aurais dû prendre ça avec moi quand je suis allée à Paris. J'ai complètement zappé. En plus, je me suis... gelé quand j'ai mis mes robes et tout. Donc franchement, c'est trop bien. Et j'ai pris plein de couleurs. J'ai pris un espèce de top comme ça, du beige, la base. Comme ça fait couleur. Du coup, les filles, regardez, je vous montre. C'est cette marque-là qui s'appelle Legs. Je le reçois dans des petites pochettes comme ça. Et moi, j'ai pris toutes les couleurs, je crois. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris un top comme ça. Un beige pour avoir un effet peau là, vous savez. Non, mais regardez, si je vous montre l'intérieur, c'est vraiment molletonné, genre. Ah, j'aime trop, c'est tout doux. Et du coup, c'est vraiment résistant, quoi. Alors, attendez, je vais ouvrir les autres et je vais vous montrer. Regardez, les couleurs que j'ai pris. Je vais essayer les filles pour vous montrer, comme ça vous avez une petite idée. Et en plus, ça va même jusqu'en bas. Genre, c'est vraiment un vrai collant, les filles. Et ils sont tous molletonnés à l'intérieur. Et vous voyez, c'est bien gainant au niveau du ventre. J'aime trop. Vraiment, je suis fan. Donc, vraiment, les filles, si vous cherchez des collants qui vous tiennent bien chaud, qui sont incassables et qui tiennent, regardez, molletonnés à l'intérieur, ben franchement, ceux-là, ils sont top, 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 top. Je vais mettre une petite jupe, les filles. Je vais vous montrer comme ça. Vous voyez ce que ça le rendu porté, quoi. Mais en tout cas, je suis vraiment trop contente de mes petits achats. Vraiment, c'est le feu, ça. Vraiment, c'est le feu. Regardez, les filles, le petit outfit que je me suis fait. Donc, je vais essayer. Je vais vous montrer. Petite jupe, les filles, qui viennent de chez SBK. Le site à ma soeur. Le gilet que j'ai mis hier aussi, les filles, c'est SBK. Les bottes aussi, c'est SBK. Regardez, elle fait les mêmes bottes que Zara. Et là, il y a le legging. Donc, on va essayer ce petit outfit qui fait très, très, très hiver, les filles. Là, les filles, je ne suis pas coiffée et tout. Mais regardez-moi ce outfit canon que je me suis faite avec les collants. Vraiment, les filles, ils sont incroyables. Oh, j'aime trop, franchement. Et dites-vous, là, les filles, genre, c'est des collants qui sont en polaire, donc qui vont me tenir chaud quand je vais être en France. Vraiment, les filles, les collants pépites. En fait, c'est qu'on dirait qu'on voit ma peau, alors que pas du tout, les filles. C'est le collant qui est comme ça. Dedans, c'est polaire. C'est hyper, hyper résistant. Ça veut dire que les filles, vraiment, vous n'allez pas le casser. Il va vous tenir toute votre vie, limite. Et franchement, ça. Voilà mes stars, je vais vous mettre le site sur lequel je les ai pris. Franchement, c'est le site numéro 1 pour les collants comme ça. Je surkiffe, je survalide même pour l'hiver. Les filles, si vous voulez mettre des jupes, des robes et que vous voulez avoir pas du tout avoir froid, mais que vous voulez comme cet effet transparent naturel, je jure qu'ils sont trop trop bien. Effet polaire à l'intérieur et incassable, les filles. Hyper hyper résistant. Donc franchement, je trouve que ça vaut le coup. En plus, vous avez moins 40% sur le site. Donc un collant, il vous revient à environ 17 euros. Et vous avez le deuxième à moitié prix.
Donc ça vous revient à une 24 euros environ les deux. Donc franchement, c'est pas du tout, du tout cher les filles. Et ça vaut le coup. Donc voilà, je vous mets mon code promo, je vous mets le site. Et franchement, les filles, profitez-en. En fait, les filles, je vous explique. Bon, déjà, ne me demandez pas pourquoi. J'ai un short sur la gueule. Parce que vu que... En fait, je voulais aller au coiffeur, je pensais que ça fermait à 22h, mais ça fermait à 21h. J'ai trop la flemme de laver mes cheveux, du coup. J'ai mis un short, parce que j'ai trouvé que ça sous la main. Pour pas salir mes draps. Bref. Aujourd'hui, j'ai dormi toute la journée pratiquement. Je me suis levée tôt, j'ai déposé Marine à l'école. Après, je suis rentrée chez moi, je dormais jusqu'à 14h, je crois. Après, j'ai rien fait de toute la journée. Et après, là, j'ai dormi trop tôt. En fait, je pense qu'avec le décalage horaire, j'avais besoin de dormir et de me régler. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Demain, ça va aller mieux, j'espère. Après, voilà quoi.